Un nouveau président parmi nous. Il y a un nouveau président. Ça sera une meuf maintenant, ça sera plus une... Oui, allô? Pourquoi? Il se passait quoi encore? Ah, vous êtes encore sur ce, ok. D'accord, ok. Vous attendez madame, je vous donne une oreillette vite fait. Tenez, prenez-la. Bah, prenez l'oreillette, non? Attendez. Oh, fuck. Dégage, toi. Voilà, regardez. Hein? Voilà, bah là c'est bon, je vous ai invité dans, là je vous ai invité dans mon club de motard, c'est bon, vous avez une oreille de moi normalement. Oui, donc vous voulez vous présenter, c'est ça? D'accord. Bah, je suis premier ministre, si vous voulez savoir. Attendez, on va vous mettre au milieu. Est-ce que vous êtes prêt ou vous êtes stressé un peu? D'accord. Bah, attendez, je préviens tout le monde alors. Mettez-vous au milieu. Bon, mettez-vous là au fond, parce que, voilà. Au fond, hein, bien au fond, hein. Voilà. Bah, sinon, ne vous prenez pas la porte dans la gueule. Oh putain, y'a qui, là? Y'a qui vient? Attends, c'est qui, là-bas? Mais c'est qui? Monsieur? Monsieur, là-bas, là, monsieur? Monsieur? Bonjour monsieur. Monsieur, vous faites quoi ici? Ah ok d'accord. Bah en fait, juste à côté, il y a une nouvelle présidente. Bah monsieur, j'espère que vous êtes bien comme ça, j'espère pendant le président. Ok, bon allez, à tout à l'heure. Ok. Bon. J'ai prévenu tout le monde. Voilà, madame, j'ai prévenu tout le monde. Normalement, les gens ils vont arriver. Non, pas du tout. Ah d'accord, ok. C'est votre métier, hein, c'est votre choix. Hein.
Oh, le mec. Restez derrière, restez au fond de la porte, restez au fond de la porte, restez au fond de la porte. Merci, vous aussi, madame. Vous parlez à moi, j'espère, vous parlez au mec là-bas. Ah, ok. Eh, Torsman, là, tu fais quoi, là? Torsman. Non, mais je parle de HRP, je parle de je te souille. Non, mais l'invite pas, il a pas fait sa candidature, l'invite pas. Ouais, vite, Atimat. Bonjour, monsieur, pourquoi vous venez vu comme ça en présidentiel? Monsieur, heureusement, j'espère que les. Monsieur flic, amenez-le en prison, il est torse nu, j'ai peur, qu'est-ce qu'il va faire? Oh non, me dis pas, ils vont encore continuer, putain. Ouais. C'est le. Oh non! Mais pourquoi vous venez torse nu? Parce que c'est une meuf, c'est ça? Hein? Putain, le mec, putain, les mecs! Regarde, Mohamed, regarde, Jérémy! Non, il y a des. Non, non, il y a déjà une présidente, il y a déjà une présidente. Excusez-moi, il s'est passé quoi là? Pourquoi y en a qui est en buzz éclair puis l'autre il est en monstre? Bah monsieur, il me fait peur le mec est en monstre là-bas, je sais pas s'il va sortir une arme ou quoi. Putain, il pleut! Bah oui, c'est à cause de vous monsieur là. Les militaires ils viennent pas. Bah, madame la présidente, vous pouvez venir, madame la présidente. On vous laisse parler, madame. Non, 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 tu descends, tu descends. Continuez à parler, madame, continuez à parler, le flic qui va s'en servir. Je vous crois que vous jouez pas vous. Vous êtes pas un chien. Il est reniflé, il est reniflé.
Non, tu touches pas la présidente, tu touches pas la présidente. Wouah, arrêtez, 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 ça devient n'importe quoi, arrêtez, ça, arrêtez, ça devient n'importe quoi là. Les militaires, y a les militaires. Bon allez sérieusement, allez là, sérieusement. Non, par contre, non, par contre, tu non. Non, par contre, tu enlèves ta botte de golf, tu as une balle de golf, toi, par contre. Ah non, 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 mais c'est pas ici, monsieur du golf, hein. Bon, dépêchez-vous, là, dépêchez-vous, il peut, là, dépêchez-vous, là, dépêchez-vous. Au revoir, ouais. Non mais il est fou lui. Non mais d'où non monsieur d'où vous roulez comme ça là monsieur. Oh range ton arme toi. C'est normal, c'est les militaires, je crois, là, les mecs là-bas, là. Mais c'est les militaires, justement! Maintenant, vous pouvez vous barrer, si vous voulez. Monsieur, interdit à la loi. Ah, non, c'est bon. Oh, il a haussé la main. Oh, bah lui, le. Non, HRP, papa, là. Oh, tu t'as pas la présidente, toi. Oh, putain. L'autre, tient un renard, non, mais. Non, ah, c'est un peu HRP ça, c'est un peu HRP, ça peut HRP ça par contre. Ah, bah, madame, arrêtez madame, vous touchez, arrêtez là, putain. Mais madame, monsieur vous êtes un, monsieur vous êtes un terroriste ou quoi? Monsieur vous êtes un terroriste ou quoi? Les militaires, au secours! Les militaires! C'est qui lui? C'est qui lui? C'est qui lui? Ah monsieur, y a la bagarre, pouvez-vous régler? Ouf! Non! Wow, ça vient... Arrêtez, ça vient pas du HRP par contre là. Non, arrêtez sérieusement là, arrêtez ça vient, arrêtez ça, arrêtez. Bon, de toute façon, le truc présenté est terminé, vous pouvez vous barrer. Mais par contre, l'autre avec sa botte de golf, il a un problème technique. Hein. Non. Non. Bon, allez, on se barre là. Allez, on se barre la présidente. On se barre la présidente. C'est pas ici. Merde, on se barre. Ah putain, la meuf, elle me suit. Putain, au secours. Non mais arrêtez ça, non mais arrêtez, arrêtez ça venait de... Non 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 mais, non non c'est un déjà surpris par contre là. Non 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 ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Oh putain pardon. Venez madame présidente, venez, venez, venez madame, madame.
Attends, je me barre avec vous quand même, hein. Allez, vite! Allez! Là, ça vient un peu du... Là, ça vient plus... Ça vient pas beaucoup de... Ça fait beaucoup de surfer, par contre, là, quand même. Au revoir. Vite, venez, on va venir dans notre truc sur cette putain, mais non, ils vont nous suivre. Ouais, je pense. Oui. Ben, il y a quelqu'un qui nous suit derrière. Mais il est fou lui. Wow. Putain, on a failli arrêter le RP juste pour parce que les gens faisaient déjà choper quoi, c'est waouh. C'est loin de chez vous, c'est loin de chez vous. C'est loin. Oui, exactement. Mais est-ce que... Ouais, j'ai envie de vous dire un truc, vous êtes belle quand même, hein. Je dis, vous êtes belle quand même. Non, belle, pas bête. Vous avez une petite audite. Wouah! Connard! Bonjour monsieur, pourquoi vous nous suivez derrière? Je vous ai vu monsieur. Vite, 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 vite! Vite, y a un fan, vite! Monsieur, pourquoi vous faites des tours? C'est loin chez vous, quoi, là? Vous avez dit merci quand je dis vous étiez belle ou vous avez rien dit? Quand je dis vous étiez belle, je dis vous avez dit quoi? Vous avez rien dit ou vous avez dit quoi? J'ai pas compris. Donc vous avez dit quoi? Merci. Waouh. Il est beau ce véhicule là. Oh t'inquiète pas. On pourra la faire. Oui, c'est déjà ça, oui. Non, par contre, si on sonne chez toi, touffe pas, hein. Si y a quelqu'un chez toi, touffe pas. Il y a du monde. Non, mais... Putain. Allez, un petit verre de whisky. Pour démarrer la journée. Vous êtes pas rentré, vous, aussi. Oui, madame, je suis un peu alcoolique, hein. Vas-y, allez-y, hein, on fait quoi du coup dans la ville? Bah, allez-y, je vous écoute. Comment on va faire pour la ville? Vous voulez modifier les choses? Je vous écoute. D'accord. D'accord. Aussi. Ouais, d'accord. Wouah! Oh non, par contre, là, c'est du tout du HRP, par contre, là. Attends, j'appelle. Ouais, frère, attends, d'où t'exploses comme ça, toi? C'est toi qui as fait exploser Jérémy. On a entendu une explosion.
Mais pourquoi? Mais ouais, c'est. Bah d'accord, mais pas besoin... mais vous posez pas des bons collants comme ça, hein. Ouais. Ouais, bon. Continuons. Ouais, y a pas assez couple, quoi. Bah ça, monsieur, ça, monsieur, madame, ça fait ça depuis de très longtemps, vous savez. Putain, mais putain, mais putain, merde! Il répond pas. Bon. Enfin bref. Tinder, d'accord. Non. Est-ce que vous êtes en couple? C'est le mec. Ah, vous êtes en recherche. Moi aussi, je suis en recherche, vous savez. Non, mais un site de rencontre, c'est encore pire. C'est encore plus pire que rencontrer une fille normale là, comme ça, quand on la voit dans ses yeux, quoi. C'est pas pareil. Bah, vas-y, vas-y, hein. Tu veux que je t'aide ou pas? Vous voulez que je vous aide ou pas? Ah merde. Bon bah merci, vous m'avez recalé, hein. Au revoir. Qu'est-ce qu'ils font dehors les deux zikotos là, putain. Tous les militaires, ils ont une maison. Merde, pas lui, putain. Allô, c'est normal que les militaires ont une maison maintenant. Je sais pas, y a un de vous deux qui est rentré dans une maison normale. Ou dans... Ah, vous êtes pas au travail. Ah, d'accord. Vous deux! Vous deux! Bah, normalement, il y en a un qui travaille, puis l'autre, il est au chômage. Les deux, ça va pas. Toi, c'est un qui travaille, puis l'autre, il est au chômage. Oui, bah ton collègue, il peut continuer... Ton collègue peut continuer à travailler, ton collègue, hein. D'accord. Oui, donc, madame, vous avez dit quoi? Elle a belle la vue, hein. Dis donc. Hein. Pourquoi pas? Oui, t'inquiète pas. Par contre, j'ai pas pris de tenue. Je suis un peu dans la merde.
Bon, une fois ça passe, une fois quand tu tues quelqu'un, mais bon, la deuxième fois ça va pas le faire. J'ai envie de vous dire quelque chose après si ça vous dérange pas. Putain, les meufs qui courent quoi. Ne vous inquiétez pas, j'ai juste fait un peu de sport, ne vous inquiétez pas. Bon, sinon, voilà. Hein. Bah, je suis toujours dans le même travail, hein. Je suis organisateur d'événements. Et vous faites quoi dans la vie? Vous avez des frères et sœurs? Vous avez des frères et sœurs? On a besoin de vous pour parler de travail, message masqué. Apparemment, les militaires ils ont besoin de quelqu'un ou besoin de je sais pas quoi là, apparemment, je sais pas. Ouais, bah, on a besoin de vous pour parler du tra de travail. Bah, après, attendez, je l'appelle. J'adore quand je réponds au téléphone. Parking rouge. Hein? Oui, là maintenant, vas-y, là maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, je vais regarder le semi GPS. Bah, monsieur, regardez, hein. Attendez, je vous donne la direction. Tournez à droite. Ah non. Ouais, à gauche, ouais, va à gauche. Non, va tout droit. Fais demi-tour. T'as coupé une ligne jaune. Va tout droit, voilà. Et normalement, tu vas au parking rouge tout en haut. Oh non! Ah, d'accord, je comprends. Attends, vas-y, monte. Faut que tu montes. Faut que tu montes. Très 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 étrange. Normalement, quand tu appuies sur flèche du bord, regarde comment ils sont. Ils ont une tête de pogo. Une tête de lapin. Normalement, ils vont nous braquer normalement en mode HRP. Si j'ai bien compris, c'est ça. Mais c'est très étrange, je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent, mais wesh, ils sont où? Là, ils ont pris leur pause. Aïe aïe aïe! Je peux savoir, vous êtes pourquoi en tête de pogo et en tête de lapin l'autre là? Je peux savoir? Ah! Elle fait quoi elle? Bah, il n'y a que deux places, comment. Yeah. Putain.
La présidente se prend en otage et le premier ministre aussi. Bah qui? Non, vous inquiétez pas, ça va aller. Ouais, c'était très bizarre. Mais l'autre, il nous suit, hein. Putain, mais merde! Barre-toi, toi, là-bas, là! Sale connard, là, barre-toi! Les flics, au secours! Aïe! Regardez, je balance bon collante! Non, non, par contre! Pour quelle raison t'as tué Jérémy en balançant comme ça? Oui? D'accord, ok. Oula, c'est un fou, lui. Ouais, t'avais raison, hein. C'était très suspect, hein, t'avais raison, hein. Ouais, la couleur rouge, quoi. Oh, vous avez un frère, vous? Ah oui, moi aussi j'ai un frère, mais il est mort. T'inquiète pas. Est-ce que vous avez. Bah, c'est bon. J'ai rien à dire. Vous avez des animaux de compagnie ou pas? Vous avez des animaux de compagnie ou pas? Vous avez un poisson. Vous avez, pardon. Il est mort. Ah mince, je suis désolé pour vous. Hein. Ouais, tu peux comprendre. Hein. Moi j'ai un chat si vous voulez. Il est trop mignon en plus mon chat. Il s'appelle Zoudou, je sais pas si vous connaissez. Mince alors. Bah mon chat il s'appelle Zoudou si vous voulez savoir. Oh, elle est belle la meuf. Pardon. Je vais pas me concentrer sur ça, mais bon. Ah, bah vous savez, je suis en recherche. Mais qu'est-ce qu'il veut le mec derrière là? Attends, attends, il y a un mec là-bas. Bon. Et vous? Est-ce que vous buvez de l'alcool, vous? Est-ce que vous buvez de l'alcool, vous? Est-ce que vous buvez de l'alcool? Ah, vous. Mais. Il y a un mec en voiture bleue là-bas, là. Je sais pas si vous voyez très. Attends, on va voir qu'est-ce qu'il veut. Mais non, non, c'est pas la même. Non, je crois que c'est pas la même personne. Attends, attends, attends. Putain, il fait quoi son bidon d'essence lui? Vous faites quoi, monsieur? Monsieur, je peux savoir pourquoi vous me suivez? Bah, monsieur, vas-y. Bah, ça paraît très bizarre parce qu'on dirait que vous étiez notre chien. Vous êtes amoureux de la présidente. Vous, eh, monsieur, 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 est-ce que vous êtes en couple? Bah pourquoi bah est-ce que vous draguez cette meuf? Bah attendez, j'ai un appel. Allô? Oui, bonjour. Bah on n'est pas venu à plusieurs, hein, c'est juste comme ça parce que j'ai reçu le message, hein, justement. Il y avait la présidente avec moi. Et là, c'est juste ça.
Les rançons d'un million. Vous aidez, vous, hein? Ah bon, quand je vous ai aidé? Bah, alors, tu me connais d'où, toi? Il est très loin, d'accord. Ça me dit rien. Bah non, vous inquiétez pas, hein, on pouvait les garder les 1 million, vous savez. Hein. Non, 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 laissez les 1 million, comme ça vous gagnez un peu d'argent. Monsieur, je vous rappelle que vous nous prenez en otage, vous me prenez pour des cons, quoi. Oui, d'accord, mais bah oui, je sais votre mère. Bah oui, t'es pas mon copain du lycée, toi, par hasard? Attends, je t'arrête juste 2 minutes. T'es pas mon copain du lycée, toi? Si, t'es mon copain du lycée où je t'ai sauvé une fois, non? Où j'ai sauvé ta mère ou ta copine, je sais plus qui. Ah bah oui, bah je te connais maintenant, bah oui. Bah oui, j'ai sauvé votre mère, vous croyez quoi? Vous croyez que c'est comme ça, qu'on est plus au lycée, on est plus copains? Vous croyez quoi, nous? Bah attendez 2 minutes alors, hein. Vous êtes où alors? D'accord, pas de problème. Bah attendez alors. Bon par contre arrêtez d'être fan de la présidente, putain, merde, vous me cassez les couilles. Excusez-moi. Non, non, aïe, aïe, aïe. C'est bon, je rigole, je rigole, je rigole. Eh monsieur, monsieur, on vous laisse baigner là, vous cassez les couilles, vous cassez la tête par contre là. Hein. Oui, bon bah là on peut. Là on peut plus se baigner là par contre, on peut plus se baigner à cause de vous là. Monsieur, vous pouvez partir ou pas? Sinon, on fait un combat de ventre. Hein? À moi? Oui, bah oui. Ma femme. Comme ma femme, j'ai pas de meuf, monsieur. Dans l'armement. C'est-à-dire. Non, pas du tout, monsieur. Oh, la défense, bah, si, logique, pourquoi? Vous voulez être notre garde du corps, c'est ça? Vous avez dit quoi? Mais c'est pas ma femme, c'est la présidente, putain, mais merde, monsieur! Mais c'est pas ma femme. Par contre, qui a tiré de loin là? C'est qui a tiré? Putain, me dis pas que c'est Jérémy. Putain, putain, ça va encore se déclarer la guerre. Encore une fois, je parie. Non, non, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Oh là là. Mais c'est Jérémy. C'est Jérémy en HRP, c'est Jérémy. Jérémy par Rémy. Monsieur, il y a une grosse bagarre. Bah, il y a quelqu'un qui nous tire dessus. Il y a quelqu'un qui nous tire dessus. Là-bas, là. Bah, je sais pas où il est. Vu que je l'ai perdu de vue. Je l'ai perdu de vue. Je sais pas où il est. C'est lui! C'est lui qui... Mais il est en... Non, mais putain, mais non, mais. Ah putain, arrêtez, ça fait mal aux yeux! Arrêtez, arrêtez, ça fait mal aux yeux! Ah putain! Ah! Au secours! Non, par contre, là, ça vient un peu de surpé, arrêtez au bout d'un moment là.
Oui. Criez pas, monsieur, hein, je vous entends. Hein. Vous voulez que je n'aie personne? D'accord. Monsieur, vous êtes chelou quand vous dites personne. Vous pensez pas à vous pensez à autre chose quand vous dites ça. Vous n'avez pas encore de me prendre en otage encore une deuxième fois. Tu me. Je sais. Qui est cette personne qui est pas bien. Qui est cette personne qui est pas bien contre vous là? Un militaire. Et donc? Et vous voulez que je vienne pourquoi? Mais tu me faisais un peu du mal, toi, avec tes copains. J'ai pas pris confiance quand tu me faisais ça, hein, au lycée. Hein. Bah, attendez, j'arrive à l'aéro. Madame Présidente, faut que vous barrez parce qu'il y a quelqu'un qui veut me parler au sérieux. Faut que je vous laisse, je sais pas où, vous voulez que je vous dépose où parce qu'il y a quelqu'un qui veut me parler sérieusement. Bah allez-y. Ah bah, c'est bon, vous avez mis le point. Allez-y. Bonne soirée. Je reviens vers vous après, ok? On peut même pas rigoler, hein. Deux fois quand même. Crois qu'il fallait pas. Ils sont où? Vous êtes où? Ah, c'est bon. Vous êtes où? Vers l'aéroport, c'est ça? Ok, bah j'arrive alors. Ah, vous inquiétez pas, j'arrive vers vous. Ah, tout de suite. Oh putain. Oh putain, des flics de merde là. Ok, c'est parti. What do you need exactly? Okay, my friend, I'll take care of the LSPD. Leave it to me. Bonjour. Bonjour. Oui.
Ça va très bien. Vous savez, hein. C'était dur quand même. Et votre mère, elle a failli mourir à cause d'une explosion quand même, hein, vous savez. Ah bah écoutez, hein. Attends. Vous avez pas faire semblant de me cracher ou un truc comme ça dans le genre? Non, monsieur, je parle de que vous sautez puis moi je meurs, c'est ça? Monsieur, me prenez pas pour un con, monsieur, me prenez pas pour un con, les parachutes. On s'en fout qu'on se dépêche ou quoi, je parle juste d'un truc 2 minutes, ça vous dérange pas? Oui, mais je m'en fous. Je disais juste, je peux finir ma phrase au moins, non? Je dis quand vous avez vos parachutes, c'est dans l'avion, c'est pas comme ça en claquant des doigts, monsieur. Oui. D'accord, c'est bien, d'accord. Bon allez, on peut. Bah, donnez-moi, hein. Merci. Ah d'accord. Ah là maintenant vous me trahissez. Oh, putain, super cool la vie alors. En fait, juste demi. En fait. Bah, en fait. Ah, je serais mort. Vous croyez que je vais mourir? Bah, putain. Je serais un monsieur. Vous me foutez un peu ma gueule, par contre, là. Mais, monsieur, c'est pas. Bah, tant mieux. Je vais dire un truc. Je sais que t'es mon copain, que je connais. Mais là, tu m'as trahi. En fait, j'ai envie de te dire juste un truc. Mais je pense que ça va pas te faire plaisir. Qu'est-ce que je te dis? Bah tiens, ça t'apprendra à mourir. Tu m'as trahi, sale bâtard. Putain, tu m'as jamais trahi comme ça, toi, depuis le lycée. Hein. Putain, je t'ai jamais connu comme ça, t'as changé depuis. La prime est dedans? Non, la présidente n'est pas dedans, non. Et pourquoi vous voulez parler de la présidente? Non, c'est pas mon ami, pas du tout. Vous croyez vraiment que je serai en couple avec elle? C'est un peu ma gueule par contre. Bah d'accord, pas de problème. Et combien vous voulez? T'es vraiment un sale bâtard toi, hein, je te jure. Je m'en bats les couilles de votre mère, putain! Je vais vous donner l'argent, point final, je m'en fous votre mère. Et votre mère, ouais, je l'ai pas sauvée, bah putain, au secours. Hein. En plus, je m'en souviens que je vous ai... Hein? D'accord. Vous inquiétez pas, allez hop. Si mon perso vient descendre. En dessous, je peux pas creuser, hein. Pourquoi en dessous? D'accord.
Et où là-bas? Tout au fond là? D'accord. Par contre, baisse la musique par contre là. Ouais, pas de musique au RP. Bah non. Tu crois que... Ouais, bah après, si tu es dans un cimetière, tu peux, hein. Mais là, t'es pas dans un... Bah, à qui? Un vous deux ou un vous deux? Ah. Ah, là, ok. Normalement, je vous ai tout et tout, hein. Et si y a pas le compte est pas bon, je peux vous randonner si vous voulez. Ça peut vous appeler aussi une menace, monsieur. Bah voilà, donc arrêtez de me foutre de ma gueule. Mais non, comme si je voulais te dire. Ah, oui. Sans l'avion. Ah, donc vous me laissez ici, c'est ça? Ok, d'accord, pas de problème. Là, ok, d'accord. Ouais, bon, allez, salut, bande de. Allez, salut, bande de shit-talk. Bah ouais, salut ma couille, hein. T'inquiète pas, hein, je suis rentré. Salut ma couille, hein. Ouais, t'inquiète pas mon pote. T'inquiète pas mon pote. Bah non, d'où? Bah non, votre pote il a dit non, je reste. Bah je sais pas moi. Cher P. Putain, bah man... Bah, je pense que je suis un peu dans le coma, donc dans l'avion en plus. D'accord. Bah, tiens, moi dessus. Bah vous m'avez pas tiré une balle, hein. Hey, toi, je te connais, toi, le conducteur. T'es pas un mec qui sort de l'ambulance, toi, là? Et pourquoi tu dis que je me démerde? Monsieur, vous êtes pas un ambulance. Non, mais monsieur, là, vous faites votre travail, mais non, mais on vérifie pas dans l'avion. Tu conduis l'avion et après on en parlera. Et avec votre tenue de truc chelou, je sais pas, votre collègue a tiré où? Bah, il a tiré sur mon ventre. Et pourquoi il. Soit. D'accord. Vous inquiétez pas. C'est bien que vous avez passé une très belle journée avec les 1 million, monsieur. Bah, moi aussi, je m'amuse très bien avec mes 1 million, vous inquiétez pas. Hein.
Je vous violez des petites filles, ah bah putain. Des petites filles. D'accord. Vous avez un parachute sinon? Vous avez un parachute sinon? Donne-la moi s'il te plaît. Donne-la s'il te plaît. Il n'y a pas d'histoire qui tient, tu la donnes. Je m'en fuis pas. Ouais, la course poursuite en parachute. Putain, la course poursuite de merde. Qu'est-ce que... Aïe. D'accord, vous voulez quoi? Tu veux quoi toi? J'allais pas m'enfuir. Hein. Le mec il prévient même pas s'il laisse quoi ou quoi. Tu dois arrêter. Hein, tu dois arrêter, c'est ça? Oui. Tu dois arrêter, ok. Oui. Comme tu veux toi. Bah avant...